Et tout de suite, après l'annonceuse, et c'est Monsieur Robinson Joseph et Madame Roseline Jean-Baptiste. Monsieur Robinson Joseph et Madame Roseline Jean-Baptiste. Thank you.
Nous avons joué avant. Et maintenant, c'est nous allons assister avec André, Madame Emmanuel Eustache Jean-Baptiste, l'annonceuse. Et tout de suite après, maintenant c'est la rentrée de Amito Jean et de Mademoiselle Victoire Emile. La musique, merci. Et la main est avec nous.
fait un petit arrangement en plus pour que nous soyons capables d'entrer. Et maintenant, nous allons assister à la montrée de Messieurs Alain Gloriaz Félix et Mademoiselle Marie Berlin Steven. Mon téléphone.
Et nous demandons à tous ceux et celles qui sont en dégoût de s'asseoir pour nous. Aujourd'hui, nous bénissons le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a permis d'être ici présent pour et être ensemble avec ses futurs époux et épouses et eux qui veulent s'engager dans les liens sacrés du mariage. Le mariage, selon la Bible, selon les pensées de Dieu, l'homme a besoin de complémentarité, d'un vis-à-vis pour communiquer et d'un collaborateur. Dieu a institué le mariage. Il est important de noter, d'après le livre de la Genèse, au chapitre 2, 3, que le mariage n'est pas une invention humaine. En mettant les premiers couples dans le jardin d'Éden, Dieu a établi le mariage avant toute autre institution. Il l'a institué dès le début, dès la venue de l'homme sur terre, en déclarant que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, sans plus tarder, nous allons rapidement passer à la dernière publication concernant cette cérémonie. Il y a promesse de mariage entre Robinson Joseph et Ruth Kemli Sanon. Nous leur prions de lever leurs doigts quand ils ont entendu ou quand ils entendront leur nom cité. Je vais recommencer. Il y a promesse de mariage entre Robinson Joseph et Ruth Kemli Sanon. Bien. D'une part, Robinson Joseph est ingénieur en mécanique. Né à Plaisance, le 19 juillet 1985, identifié au CPR suivant, 703.064.482-46, fils naturel de M. Rémi Joseph, de profession cultivateur, et de la dame Isnador Villus, de profession cultivatrice, mais elle est déjà décédée. Son père, demeurant et domicilié à Mapou, commune de Plaisance. D'autre part, Ruth Kemli Sanon, de profession normalienne, né le 19 juillet 1988 au Gonaïve à 9h du matin, identifié au CPR suivant, 800.229.149-27, fille légitime de M. Pierre Sanon, de profession cultivateur, demeurant et domicilié au Gonaïve. Et de la dame Rosanne François Sanon, de profession commerçante, demeurant et domicilié au Gonaïve. Si quelqu'un connaît un empêchement légal à ce que ces deux personnes ne puissent être unies dans le lien sacré du mariage, qu'il le déclare maintenant. Donc, de nous saillons, quand tu vois que fait un geste de main levée, gagner une promesse pour y marier. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore marié. Si il y a un monde qui connaît un empêchement légal qui est capable d'empêcher les gens après-midi arrivé marié, nous mandéli, levez-moi et puis pour le dire nous à clair en public qui engagement que lui-même lui gagne. Qui empêchement qui gagne pour deux mondes ça y est marié? Assemblée païenne. Donc, dans quelques instants, ils seront divinés.
dans le lien sacré du mariage. C'est ici la dernière publication. Il y a promesse de mariage, donc, et maintenant nous demandons au couple suivant de faire pour nous le même geste tout en levant leurs mains quand ils auront entendu citer leur nom. Il y a promesse de mariage entre Alejandro Diaz Vélez et Marie-Junie Alphonse. D'une part, Alejandro Diaz Vélez est informaticien. Né le 8 février 1988, de nationalité dominicaine, identifié au CPF suivant, 702.980.402-39. Fils de M. Luis Eduardo Diaz de los Santos et Magdalena Félix, demeurant et domicilié à Saint-Domingue. D'autre part, Marie-Junie Alphonse, elle est secrétaire, identifiée au CPR suivant 014.155.969-13, de le 30 avril 1984 à 7h15 du soir à Saint-Martin, fils légitime de M. Wilfried Alphonse, de profession journalier, et de la dame Gerda Ville, de profession commerçant. Tous deux demeurent domiciliés à Saint-Martin. Si quelqu'un connaît un empêchement légal à ce que ces deux personnes ne puissent être unies dans le lien sacré du mariage, qu'il le déclare maintenant. De Mounsayo qui a peine se fait signe, je serai levé. Gagne une promesse pour le marier. Si gagne une assistance qui connaît un empêchement légal, qui est capable d'empêcher deux personnes qui sont arrivées mariées, nous demandons, faisons pas de gestes mais levés, et puis nous va céder l'opportunité pour les capables de dire nous qui empêchement légal qu'elle lui-même les connaît. Donc, nous voyons ici, nous, à gauche, à droite, en avant, en arrière, nous n'avons aucun signe qui t'a dit qu'il y a un empêchement légal. Eh bien, c'est ici la dernière publication de ce mariage. Nous demandons au troisième coup, et dernier, de faire pour nous le même geste. Quand ils ont entendu citer leur nom, de faire pour nous le geste de main levée, chacun d'entre eux. Il y a promesse de mariage entre M. Amito Jean et Mademoiselle Adeline Septembre. D'une part, Amito Jean, de profession musicien. Né à Néloné, première section communale de Petite Rivière de la Thibonite. Il est d'âge majeur. Identifié au CPF suivant 014.005.979-27. Fils naturel de M. Alleville Jean, de profession cultivateur, et de la dame Sylviana Pierre, de profession cultivatrice. Demeurait domicilié à Déloné. D'autre part, Adeline Septembre est commerçante. Elle est d'âge majeur, née à Gramont, troisième section Guigard de Dessalines. Identifié au CPR suivant 703.000.230-60. Fille naturelle de M. Adila Septembre, de profession cultivateur, et de la dame Altagrace Jean, de profession commerçante.
demeurant et domicilié à Gramont 6 à la 3e section brigade des Salines. Si quelqu'un connaît un empêchement légal à ce que ces deux personnes ne puissent être unies ce soir dans le lien sacré du mariage, qu'il le déclare maintenant. Gagne une promesse pour deux mouns qui c'est des derniers mouns qui te sautent les vêtements. Comme moun, il y a une promesse mariage sous tête. Si il y a un moun qui connaît un empêchement légal qui t'a empêché deux mouns arriver marié après-midi, nous demandons de faire un geste de main levée. Une fois encore, tous trois groupes qui réunis là, ils ont décidé de marier et ils voulaient marier. Mais si il y a un monde qui connaît un empêchement légal qui a empêché les gens de marier, même si c'est à eux seuls là-dedans, nous demandons de faire un geste élevé. Et puis nous va céder l'opportunité pour dire nous qui empêchement légal qu'elle gagne contre X ou Y après-midi à capable d'empêcher de marier. Si tu as un monde qui connaît l'empêchement, ou pas dire, pendant que tu es présent, pendant toute publication mariage, et même pour te arriver à assister à la cérémonie, n'a pas demandé où. Si toutefois, on ne peut pas déclarer là, après ça, ferme la bouche. La ferme la bouche. Si on ne peut pas déclarer le coulier, après ça, ferme la bouche. Qui ça nous dit? Eh bien, c'est toute dernière publication mariage là pour journée aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons appeler notre bien-aimé frère Emmanuel, lui qui va venir chanter avec nous, tout en demandant déjà à l'Assemblée de se mettre au niveau. Donc, on vous demande de tourner la page que nous allons chanter. Nous allons chanter seulement le premier couplet que nous trouvons dans le livre des chants d'espérance de la section française Mélodie Joyeuse au numéro 43. Disons grande infidélité, ô Dieu mon Père, chez toi nul est trace de changement. Tes compassions ne sont pas alertées, tu restes fidèle, éternel. Chantons ensemble. Grande fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi nul trace de changement. Tes compassions. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle et fidèle.
Merci. Fermons nos yeux pour la prière d'introduction qui sera faite par le pasteur Jacques Hébert. Fermons nos yeux. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous bénissons, Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur Dieu, pour grande opportunité, pour accorder chacun de nous, Seigneur, pour nous ici présents, Seigneur Dieu, dans la grande cérémonie, Seigneur Dieu, pour tes frères et sœurs, nous, à entrer dans le lieu du mariage, Seigneur Dieu. Nous demandons pour toucher la vie de chaque monde qui est ici présent, Seigneur. Chaque monde qui est invité, Seigneur. Et chaque couple, Seigneur Dieu, qui va prendre grand engagement, ça, Seigneur Dieu, pour te rentrer, Seigneur, dans le lien du mariage, Seigneur Dieu. Nous demandons, Seigneur Dieu, avant tout, Seigneur Dieu, que cet esprit, ou Seigneur, capable d'accompagner, Seigneur, chacun de nous qui est ici présent, Seigneur. Et spécialement, Seigneur, capable de répandre, Seigneur, sur la vie de chaque monde, Seigneur, qui va prendre grand engagement, ça, Seigneur. Papa, t'en prie, Seigneur, nous demandons, Seigneur, prends contrôle tout ça qui est pour faire, Seigneur, dans le moment ça, Seigneur. Afin que tout ça qui a fait, Seigneur, fait selon volonté Saint-Esprit, Seigneur. C'est pas selon volonté par nous, Seigneur. En bas onction, aux gens qui voulaient, Seigneur. C'est comme ça nous prions, nous prions en qualité de monde qui est bon numéro. Et nous prions dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Sans plus tarder, maintenant nous allons assister à la lecture de la parole de Dieu qui sera faite dans le livre de la Genèse, du chapitre 10, des versets 18 à 24 par le bien-aimé frère Casimir Lionel. Alléluia. Yes. Pour le respect de la parole de Dieu, l'Assemblée est prise de bien vouloir de rester debout pour écouter une portion de lecture tirée du livre Genèse, chapitre 2, verset 18 au verset 24. Soyez attentifs, je vais lire au bout. Seigneur, mon Dieu, dis encore. Ça va bon pour nous et pour nous arrêter pour continuer. M'en faisons l'autre monde semblait avec pour l'aider. C'est comme ça, Seigneur, mon Dieu, grand pour ce qui était, il fait toutes qualités animaux qui dans sa vente, à toutes qualités oiseaux qui a volé dans le ciel là. L'infini, il mène au bail non là pour le voir qui non il t'appelle le bail. C'est non qui te baille à qui était plus honnête. C'est comme ça, le non là bail tout bête qui regarde, tout bête dans le bois, à tout oiseau qui dans le ciel là, non. Mais, à qui un qui te semblait à belle, qui t'a caïté. Laisse ça, si hier, mon Dieu, fait dormir un homme là. Monsieur dormi net allé. Pendant l'abdormi, mon Dieu l'ouvre du bon côté lui. Lui était un socote. Après ça, lui ferme toi bien fermé. Avec socote, il était été dans un homme là. Lui fait une femme. Il mène des balles. Le nom de lui dit, ah, vois ça, mais yon qui mène Jean avec. Zol c'est zol, chèvre c'est chèvre, pour arriver une femme, parce que c'est un garçon qui sort. C'est peut-être ça, garçon va quitter papa avec maman. Pour le mettre tête ensemble avec madame li, pour tout te faire yon ciel. Que Dieu, dans toute sa grâce,
puisse bénir abondamment cette portion de lecture pour édification commune de nos âmes. Amen. Oui, vous êtes priés de bien vous asseoir. Maintenant, nous allons appeler le groupe des époux dans sa performance. Le groupe décidé pour Christ dans sa performance. Camila, la gente.